l'eau chaude dans les bols, afin déjà pour rendre le bol chaud, et ensuite pour purifier le chazem. C'est un chazem, donc c'est le fouet spécial pour le thé. Donc dans la cérémonie, le nombre 3 au Japon est un chiffre qui porte bonheur. Donc du coup, en 3 fois, le purifier. C'est pour encore mieux le purifier, on fouette un petit peu afin d'enlever les impuretés. En pousse de bambou, on met le thé dans la tasse. Alors, le thé à chaque fois est mis en forme de pyramide qui s'appelle le mont Fuji. C'est un mont qui est au Japon. Et il faut prendre toujours autour du mont Fuji et pas casser le mont Fuji, sinon ça porte malheur. Fait des formations, souvent elle vient, dès qu'on a on fait ça dans une année, elle vient par rapport 3 à 4 fois pour montrer. Oui, bien on émulsionne le thé, ce qui donne, il faut que ça donne une mousse sur le dessus afin que l'ensemble du thé se mélange avec l'eau chaude. Ben, si vous voulez filmer, si vous souhaitez, là on voit qu'il y a la mousse. Et ici, ça c'est un thé, du coup il serait trop astringent. Et là, d'avoir émulsionné avec le thé, vous avez quelque chose de beaucoup plus onctueux.